Bien, buenas tardes, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bien, como decano de la facultad, de esta Facultad de Filosofía y Letras, os doy la bienvenida a estas jornadas que con tan buen criterio y con magnífico sentido de la oportunidad y de la necesidad organizáis durante estos días jueves y viernes. Para esta facultad es una enorme satisfacción que estas jornadas tengan lugar en este auditorio, en estos espacios, y por lo tanto tenéis a vuestra disposición todos los servicios que la facultad pueda ofrecer. Por lo demás, quiero expresar en primer lugar esas palabras de bienvenida, dichas desde el corazón, a todos y a todas los que estáis aquí, a quienes habéis venido también de lejos, y animaros a aprovechar estas jornadas al máximo con la ocasión que brindan para reflexionar sobre África. Estas jornadas se convocan celebrando el Día de África en la Universidad de Granada y bajo el lema Aprender, Conocer, Actuar. Y como digo, es algo que me parece sumamente oportuno y extremadamente conveniente y necesario. Bien, por lo demás, quiero felicitar a quienes han organizado estas jornadas, apoyadas además por muchas instituciones, lo cual muestra pues, un espíritu de colaboración y de cooperación que hay que plasmar en realidades como esta. Especialmente a la profesora Vieitez, al CICODE, Centro de Apoyo a la Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, a las personas que trabajan en ese centro, bueno, y a todas las asociaciones y organismos que han puesto de su parte para que estas jornadas se lleven a cabo. Y a vosotras y vosotras, que echáis vuestro tiempo, vuestra energía, vuestras capacidades en una actividad como esta. Bien, reflexionar sobre África en ese aprender, conocer y actuar, poniendo tantas cosas en común, llevando a cabo ese diálogo en este ámbito académico, pero proyectándolo hacia afuera, en lo que no deja de ser un diálogo entre culturas, un diálogo entre continentes en este caso, un diálogo que trasciende fronteras, es algo que nuestro mundo necesita y muy especialmente que es de todo punto urgente, diría, incluso, además de importante, en las relaciones en este caso entre Europa y África y concretamente dicho desde aquí, desde España y desde Granada. Europa y África, como bien sabéis, estamos muy cerca una de otra, unos de otros. Pero esa cercanía física, bueno, encuentra grandes obstáculos económicos, sociales, políticos, para que esa cercanía se traduzca en una relación fluida en todos los sentidos. En una relación entre personas, entre pueblos, entre comunidades, entre sociedades y entre estados. Es una enorme paradoja, diría que una gran contradicción, que estando tan cerca, muchas veces nuestras sociedades estén tan lejos. Y en este caso, pues esa distancia hay que achicarla, hay que hacer todo lo posible para reducirla al máximo y que esa proximidad física se convierta en una cercanía de lazos estrechos, de colaboración, de cooperación, sin duda, entre iguales. Esa igualdad que es la que posibilita unas relaciones de amistad y sin duda avanzar con criterios democráticos en la relación entre los pueblos. Y en este caso, además, bueno, lo decimos, lo vivimos en un momento especialmente crucial. Desgraciadamente, las noticias que aparecen estos días en los medios de comunicación, donde África, aunque sea como telón de fondo, aparece, pues son noticias, en fin, en muchos casos cargadas de tragedia. Son las noticias que tienen que ver en un porcentaje muy alto con los movimientos migratorios, que tienen que ver con ese cruzar, esa frontera que se convierte en una gran trampa, que es el estrecho, o en ese viajar a través del Mediterráneo en un viaje incierto, en condiciones penosas,
que muchas veces acaba en el fondo de lo que se está convirtiendo en un cementerio marino. Y esta Europa nuestra, de la que formamos parte de España como Estado, de la Unión Europea, cuando dice que va a abordar esos problemas migratorios, esas cuestiones relativas a las migraciones, las que se han dado toda la vida y ahora con especial intensidad, bueno, pues no se le ocurre otras cosas que, en fin, reforzar los muros, las murallas, las vallas, las fronteras, y ya como idea genial, bueno, pues bombardear o destruir los barcos que utilizan, pues sí, ciertas mafias u organizaciones para esos desplazamientos o para ese tráfico de personas. Pero muchos nos tememos, y tenemos buenas razones para sospecharlo, que no interesa, en fin, ir contra las mafias, cuanto frenar esa inmigración. Y frenar esa inmigración con unos criterios donde la responsabilidad ética, política, no está sin duda en primer plano. Es verdad que todas las cuestiones relativas a la inmigración suponen problemas complejos, en primer lugar en los países de donde sale la población que emigra, en muchos casos empobrecidos, y la pobreza no es nunca un fenómeno natural, en otros casos destruidos por guerras, en otros casos descoyuntados con herencias coloniales que aún se hacen notar de manera muy pesada. Pero ante eso, pues, se mira para otro lado y no se asumen las responsabilidades al modo en que se debiera. Y esta Europa que no solo ha emigrado en sus miembros muchas veces a otros continentes, sino que los ha explotado con modos coloniales terribles en muchos casos, pues no se hace cargo de la responsabilidad que tiene acumulada a lo largo de siglos de historia en torno a todo eso, y especialmente también con África. Por lo tanto, todas estas cosas hay que reflexionarlas, darles, digamos, una manera para que esa reflexión sea conocida, sea compartida socialmente y tenga el necesario impacto político en nuestras sociedades. Por lo tanto, una actividad como esta, donde aprender, conocer y actuar se constituye en los tres objetivos que se persiguen, pues puede ser una actividad muy eficaz para crear conciencia social, conciencia política, conciencia moral acerca de este tipo de cuestiones. Por lo demás, una mirada sobre África, ¿qué queréis que os diga? Tenéis más presente que yo. No puede limitarse a lo que se manifiesta a través de los movimientos migratorios, sino que tiene que ir a lo más profundo y a lo más extenso de un continente con una riqueza humana, con una riqueza cultural, con un potencial enorme, para que todo eso se despliegue de la mejor manera posible. Pero ello sin duda requerirá, pues eso, esas formas de colaboración, de cooperación económica, social, política, cultural, que vaya en dirección totalmente contraria a cómo han ido las relaciones entre Europa y África, o entre África y otras sociedades en los siglos pasados. La historia no solo pasa, sino que pesa, y entonces el lastre de esa historia que tanto pesa, pues es un lastre enorme, un lastre que tira hacia abajo y que se puede ver de alguna manera plasmado metafóricamente en cómo tantas personas pues acaban, pues eso, como náufragos hundidos en el Mediterráneo, en ese Mare Nostrum, que no es el Mare Nostrum de las dos orillas, sino que se convierte en una frontera insalvable. Pues, como en este mundo, eso de mundo sin fronteras parece una meta utópica un tanto lejana, pues al menos que las fronteras sean porosas, sean transitables, sean humanas, y que cuando transitemos de una orilla a otra, los derechos humanos que a todos nos debemos reconocer, pues no se queden en ningún lado colgados ni de las vallas, ni de las cuchillas, en fin, ni sumidos en el fondo del mar. Dicho esto, pues eso, animaros a estas jornadas, a aprovecharlas al máximo, porque el tema lo merece absolutamente y estoy seguro que vais a obtener los mejores frutos. Reitero mi bienvenida, mis palabras de apoyo y especialmente mis saludos a quienes venís de fuera, muy
muy enfáticamente pues a la profesora Fatou Sarr, con quien tenéis la conferencia a continuación. Me vais a disculpar que no me pueda quedar, pero estamos en campaña electoral. No me refiero a la del 24, que también. Me refiero a la de esta universidad. Os recuerdo que el día 27 de mayo, el miércoles que viene, es día de elecciones. Entonces hay que ejercer también ese derecho al voto en nuestra universidad democrática, participativa. Y algunos, pues, nos tocan hacer ciertas tareas de apoyo a las candidaturas, en fin, beneficio de la cual estamos trabajando. Así que este decano sigue su recorrido cívico-académico por otros derroteros, y si puedo, mañana os acompaño en la sesión de los talleres. Pues muchas gracias y buena tarde. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir. No me voy a extender mucho, pero sí algunas cosillas relativas a la organización. Ya sabéis, como se ha dicho, que vamos a tener la conferencia en primer lugar de la doctora Fatou Sarr, que va a hablar sobre el movimiento social feminista en Senegal y el papel que ha tenido en la transformación sociopolítica del país. Después, en la segunda parte, tenemos la presentación del vídeo de Kasumai sobre la Casa Mans. Tenemos a Jordi Tomás, el director científico del documental, que nos lo presentará. Y el vídeo, como ya seguramente sabéis, trabaja la cuestión del rol de las autoridades tradicionales en la consecución de la paz en el área de Senegal. Agradecer al decano su apertura de la jornada, invitaros efectivamente a que participéis no solo hoy, sino también mañana en los talleres. Ya menciona la facultad, que parcialmente ha financiado la actividad, también, por supuesto, Alianza por la Solidaridad. No sé dónde está Ana, que no la veo. Ah, hola. Ana, bueno, Marina y Marta, que vienen también ayudando. Y, por supuesto, al CICODE. Tenemos ahí una colaboración muy importante con el proyecto Andalucía se llena de África, así que hay cositas también de futuro que ya os iremos contando, bastante importantes. Agradecer también a las traductoras, Dolores y Violeta. A los que graban la sesión en Calle Aguilar. A los ponentes, obviamente, Fatou Sarr, que viene desde Senegal hasta el sábado. Y a Jordi, que viene de la Universidad de Lleida, luego ya los presentamos apropiadamente. Comentar que esto forma parte, la charla, la conferencia Fatou Sarr forma parte de una serie de conferencias. Esta será la segunda, que se llama Voces Feministas desde el Sur, que organiza el CICODE. La siguiente, deciros que es el próximo 28 de mayo, que tendremos a la feminista guatemalteca Lorena Capnal. Y digo el 28 de mayo, apuntároslo, y que hablará sobre feminismos, a ver si me acuerdo, que lo tengo, feminismos comunitarios. Y bueno, también comentar que, como sabéis, firmar la lista de asistencia para la cuestión del certificado que os darán posteriormente, y también Aitana me recuerda que tanto durante la conferencia como durante el documental pasará un cuestionario. Por favor, rellenadlo, porque nos viene muy bien para luego, pues, continuar con estas actividades, saber vuestras impresiones y todo eso, ¿vale? No me extiendo más. Agradecer de nuevo la presencia del decano, que me consta que está súper ocupado, y a todos los presentes por haber venido. Muchísimas gracias. Pues sin más, damos paso a la conferencia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Perdonadme que he hablado un poquillo atascadilla. Muchas gracias por estar aquí. Yo voy a presentar brevemente a Fatou Sarr. Es muy difícil, es un poquito difícil, la verdad, porque Fatou Sarr tiene una trayectoria profesional extensísima, muy brillante. Entonces me ha tocado el placer, por un lado, presentarla, por la dificultad de un poco que seleccionar, como, ¿no?, como darla a conocer. Yo diría que, bueno, Fatou Sarr fue una trayectoria profesional muy brillante, en la que uno de los aspectos más destacados, o uno de los aspectos que más llama la atención, ha sido su capacidad para poder conciliar, por un lado, una gran labor como investigadora, como profesora, al mismo tiempo como mujer comprometida política y socialmente con los movimientos sociales, con la sociedad civil y específicamente con la lucha de los movimientos de mujeres en Senegal, y más allá de Senegal, yo creo, ¿no?, pero específicamente en Senegal. Fatou Sarr es directora e impulsora, fue creadora también del Laboratorio de Género e Investigación Científica del IFAM, de la Universidad Sheikh Anta Diop de Dakar, y es profesora en esa universidad también.
Antes de trabajar como profesora, ya trabajó previamente como consejera técnica en el Ministerio de Acción Social de Senegal. Y bueno, ha recibido numerosísimas distinciones por su trabajo en materia de género. Forma parte de plataformas y redes muy relevantes en este sector. Por daros solo un ejemplo, ¿vale? Porque hay muchísimas. Es presidenta del Caucus de Mujeres Lideresas de Senegal o presidenta del GASEF, que es la red africana para el sostenimiento del empresariado africano. Y bueno, como parte de su compromiso, de ese activismo político y social, ella ha estado también implicada, algo que me parece importante, en distintas reformas legislativas en su país. Y por supuesto cuenta con extensísima, con un gran número de publicaciones, de estudios, de investigaciones que ha realizado tanto en Senegal como en otros países africanos. ¿Vale? Así que yo, sin más, le quiero dar las gracias, le quiero dar la bienvenida también. Y bueno, darle la palabra y sobre todo muchas gracias y nada, espero que se sienta cómoda con nosotros. Ya está. Merci beaucoup. Je voudrais renouveler encore à Soledad mes remerciements. C'est la quatrième fois que je viens en Espagne dans le cadre de ces échanges. D'abord, c'était à Barcelone, ensuite à Madrid. Ensuite, je suis avec les gens à Lleida. Cette fois-ci, c'est ici. Et j'étais aussi dans le cadre de la même rencontre à Lisbonne. Donc, ça fait bien des années qu'on réfléchit ensemble sur ces questions des mouvements de femmes. Je travaille sur les deux pieds, à la fois sur les dimensions politiques et sur la dimension économique. De temps en temps, mes recherches vont tourner plus sur les questions politiques. Et c'est ça qui a expliqué la création de ce qu'on appelait le caucus des femmes leaders pour la parité. C'était en 2010 quand il fallait se battre pour avoir la loi sur la parité intégrale hommes-femmes au Sénégal. Ce qui a amené une forte représentation aujourd'hui des femmes à l'Assemblée nationale avec 43%, c'est 42,7%, j'arrondis à 43%. Et dans les conseils locaux à 47%. C'est aussi cette même logique de recherche-action qui a fait que je suis aujourd'hui à la tête d'une autre organisation qui est le réseau des femmes chefs d'entreprise pour travailler sur les dimensions économiques. Alors, pour la question politique, le Sénégal est un pays assez spécifique par rapport à cette question-là. Parce que c'est une très vieille colonie française. Les Français se sont installés là-bas au XVIIe siècle. Et très tôt, déjà au XIXe siècle, les Sénégalais commençaient à voter. Des Sénégalais ont voté même avant certaines communautés aujourd'hui françaises, certaines régions de la France, les villes de Saint-Louis, Gorée-Dakar, et Rufisque votait bien avant certaines régions de la France au niveau français. Ce qui fait donc qu'il y a une tradition de participation politique. Mais il faut que je précise qu'au Sénégal, avant l'arrivée de la colonisation, les femmes étaient au cœur de la politique. Ce qui fait que la première force de résistance contre laquelle les Français se sont battus avait à sa tête une femme qui s'appelait Ndiaye Yalla, qui était reine du Wallo, d'une des régions du Nord. Donc, les Sénégalaises ont l'habitude de participer à la politique. Mais quand la France a vaincu le Sénégal, elle a décidé, parce qu'en ce moment-là, les Françaises n'avaient pas le droit de vote. Elles n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1944. Le Wallo a été vaincu en 1855. Donc en 1855, quand le colonisateur est venu, c'était une femme qui était à la tête du royaume, du premier royaume qu'ils ont vaincu. Mais ils ont exclu les femmes de l'espace politique. Mais parce que les Sénégalaises ont la politique dans leur culture et leur histoire, elles vont continuer à se battre pour revenir au devant de la scène. Et l'une des premières batailles, c'est 1945. Parce que la France obtient le droit, les femmes françaises ont le droit de vote en 1944, et les premières élections législatives, c'est 1945. Mais la France décide que
dans la colonie du Sénégal, où il y avait les villes qui avaient le statut de citoyen, donc où les gens qui sont nés dans les quatre villes que sont Gorée, Saint-Louis, Dakar et Rufisque, étaient des citoyens français. Mais les Français décident que les femmes françaises blanches d'origine de la métropole vont voter, mais que les femmes noires sénégalaises d'origine n'allaient pas voter. Alors, c'est là où on assiste à la première grande alliance de femmes de deux grandes personnalités qui appartenaient aux deux plus grands partis, qui étaient des adversaires, mais elles décident de s'allier pour imposer, pour combattre la décision de la France. Et elles avaient menacé de s'en prendre à la vie des Françaises qui allaient sortir pour aller voter. Et finalement, c'était en février 45, et finalement en mars, la France recule et accorde le droit de vote, y compris aux Sénégalaises. Donc même pour aller, la première élection où les femmes ont eu à voter, elles se sont battues pour obtenir cette possibilité-là. Et depuis lors, les femmes n'ont cessé d'être dans l'espace politique, et qui va aboutir en 2010 à cette fameuse loi sur la parité où il faut avoir une liste alternée hommes-femmes. Si vous ne l'avez pas, votre liste n'est pas recevable. Et c'est ça qui va permettre de voir un bond spectaculaire des femmes dans les instances politiques. Alors, là je vous montre l'exercice des femmes et l'exercice du pouvoir dans l'espace précolonial et colonial. C'est-à-dire, avant la période coloniale, vous avez, c'est à ma gauche, la femme qui a avec la pipe, c'est celle-là qui a été la première femme, le premier royaume que les Français ont vaincu, et c'est cette femme-là qui était à la tête de ce royaume. Donc, c'était en 1855. Mais à ma droite, je montre une autre image qu'on dit que celle de Aliou Diata, 1920-1943. C'est la dernière résistante qui a été déportée au Mali, où elle est morte en 1943. C'est pour dire que quand la colonisation s'ouvre au Sénégal, nous avions d'une main une femme. C'est elle qui a commencé à combattre. Mais quand la colonisation se termine aussi, la dernière personne déportée, c'est une femme. Et dans l'espace temporel, celle-là, elle est au nord, c'est là-bas où la conquête a commencé. Et l'autre, elle est au sud, c'est là où la conquête s'est terminée. Donc, je dis que c'est les femmes qui tiennent l'histoire du Sénégal d'un bout à l'autre. Donc, voilà cette présence importante. Alors, mais les femmes vont être mises à l'écart. C'est le modèle colonial qui exclut les femmes presque de tout. D'abord, il y a les textes discriminants. J'ai parlé du droit de vote que les femmes ont réglé. L'accès à la terre. Souvent, aujourd'hui, la question de la terre est une question importante chez nous. Souvent, on nous dit que c'est les coutumes, etc. C'est que c'est la France qui a sorti des lois, dont l'une que nous maîtrisons date de 1904, qui s'appuie sur le code Napoléon, parce que c'est le code civil qui régit la France. Ce code-là dit que la propriété privée est reconnue, mais c'est le chef de famille qui est le propriétaire de la propriété privée, c'est-à-dire le mari. Et pour le colonisateur français, la femme doit se soumettre au mari. Donc, c'est le modèle colonial qui, en fait, explique aujourd'hui les terribles problèmes d'accès à la terre. Il y a, bien sûr, la religion, il y a aussi la colonisation. Mais parfois, ça se regroupe. Parce que la colonisation française, c'est le christianisme, c'est le modèle chrétien. Et il y a aussi la religion musulmane. Mais c'est plutôt le modèle colonial et le modèle chrétien qui fait que seule la femme l'homme est plutôt le seul responsable de la famille. Ensuite, au niveau de l'éducation, le modèle colonial décide de mettre surtout les garçons à l'école et moins les filles.
Et là, j'ai des statistiques simplement pour montrer le grand écart qui existe entre les filles et les garçons à l'école. Et ils ont décidé que les filles allaient être simplement des institutrices, des sages-femmes, en tout cas faire des métiers où elles n'ont pas besoin de faire de très grandes études. Et ce sont les hommes qui vont pousser plus loin leurs études. Pour illustrer l'écart, je dis qu'il y a 29 ans d'écart entre l'école William Ponty, qui est l'école où on formait les cadres masculins, et l'école normale des jeunes filles de Rufisque. Donc, le modèle colonial a décidé de mettre l'accent sur l'éducation des garçons et non des filles. De toute façon, en France aussi, les femmes ont mis du temps à être à l'école, ont mis du temps à avoir des diplômes, ont mis du temps à avoir le baccalauréat, parce qu'il n'était pas permis aux femmes de faire les mêmes études que les garçons. Au plan économique aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont spécialiser les hommes dans les cultures d'exportation. Au Sénégal, ça va être l'arachide. En Côte d'Ivoire, ça va être le cacao. Ailleurs, ça va être le café. Et on va dire que les femmes vont s'occuper des cultures vivrières, le sorgho, le mil, etc. Ce qui fait que jusqu'à présent, c'est les femmes qui font vivre les familles avec les cultures vivrières, parce que les hommes, on les avait mis dans les cultures d'exportation qui leur permettaient d'avoir de l'argent. Et c'est les hommes qui détiennent toutes les responsabilités administratives. Et jusqu'à présent d'ailleurs, quand je dis, je regarde les institutions au Sénégal, elles sont tout à fait masculines. Le président, c'est un homme, le premier ministre, c'est un homme, et le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme, etc. Donc on va voir que toutes les institutions sont contrôlées par les hommes. Alors, mais qu'à cela ne tienne, les femmes vont quand même se battre pour petit à petit arriver à essayer de rattraper l'écart qu'il y a entre les hommes et les femmes. Bien sûr, l'écart est encore énorme, mais il y a ce que j'appelle le processus de maturation politique. J'ai expliqué tout à l'heure qu'avec le refus de la France d'accepter que les femmes aillent aux élections, elles se sont battues, elles ont obtenu le droit de le faire. L'implication des femmes en politique fait qu'en réalité, l'élection des hommes dépend beaucoup des femmes. Parce que c'est elles qui se mobilisent le plus, parce qu'elles ont plus une tradition de vie associative, et c'est elles qui vont apporter les soutiens. Généralement, c'est les hommes, ce que les femmes soutiennent, qui réussissent. On a des données statistiques qui nous le montrent, notamment pour la première élection de juillet 1945, mais jusqu'à présent aussi. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, les hommes s'appuient beaucoup sur les modèles associations féminines, parce que c'est elles qui ont cette logique d'organisation et de mobilisation sociale. Là, c'est la photo des femmes qui allaient voter. Ça, c'était en 1957 à Dakar. Alors, pendant la période coloniale, les femmes participent au combat collectif pour avoir l'indépendance. Elles seront dans les grands partis qui existaient, qui sont des sections des partis français, c'est la SFIO, ça s'appelait Section française de l'Internationale ouvrière, le Rassemblement démocratique africain et l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, UGTAN. Donc elles sont et dans les partis politiques et dans les syndicats. Et nous avons des ouvrages, des romans qui montrent l'implication des femmes dans les batailles pour les périodes coloniales. Il y a un magnifique ouvrage de Stembel Ousmane qui s'appelle Les bouts de bois de Dieu, qui est monté en film et qui montre quand il y a eu la grève, une grève qui était très dure du chemin de fer Dakar-Bamako, parce que ça liait les deux capitales. C'est les femmes qui sont venues à la rescousse des hommes. On retrouvera le même phénomène aussi en Côte d'Ivoire avec la marche des femmes de Grand Bassam contre les colonisateurs. Alors, les femmes vont essayer de chercher leur autonomie politique. Et c'est comme ça qu'on crée ce qu'on appelle l'Union des femmes sénégalaises en 1954 à Dakar, où les femmes de différents partis politiques essayent de se mettre ensemble. Donc cette Union des femmes sénégalaises va être à la base de plusieurs batailles aussi qui vont exister. Et quand les hommes seront cernés par la police, quand on leur empêchera d'agir, ce sont ces femmes-là qui, par le biais d'organisations dites de la société civile, mais qui en réalité étaient des organisations politiques, vont prendre le relais. Alors,
depuis maintenant, quand arrivent les indépendances, ce qui se passe, les femmes ont été de toutes les batailles pour obtenir les indépendances, mais l'indépendance obtenue, on les écarte. On les écarte parce que maintenant, c'est les diplômes qu'on met en avant pour être sur la scène politique. Elles sont exclues de tous les espaces de décision. Nous n'aurons la première femme députée, ce sera en 1963 qu'on aura, alors qu'on a pris nos indépendances en 60. Elles ont participé aux batailles politiques, mais on ne les voit pas dans l'espace de ces espaces de décision. Alors, parce qu'on les a exclues de l'espace politique de décision, les femmes vont se retrouver dans le modèle associatif. D'ailleurs, c'est pourquoi elles sont plus organisées que les hommes dans ces espaces-là. Et on a plusieurs types d'organisations. On a, dans les années 60, les femmes sont nombreuses dans les organisations associatives à caractère social. Et c'est les femmes non instruites qui sont généralement là-dedans. Mais à partir des années 70, les femmes instruites commencent à se mettre en place dans différentes organisations qu'on connaît aussi en Europe, c'est les clubs optimistes, Zonta Club, Lions Club, etc. Et elles vont, en 1974, c'est la veille de la conférence de Mexico des femmes, la première association solide, c'est l'association des femmes juristes. Et en 77, toutes les associations de femmes professionnelles se réunissent et créent la Fédération des associations féminines. Et c'est à partir maintenant de 80 qu'on réapparaissent des organisations à caractère politique à travers l'organisation Yewi Yewi. Et les années 90, c'est la démocratisation de l'Afrique. Il y a une explosion d'associations un peu partout. Et surtout, il va y avoir la conférence préparatoire de Beijing qui va se tenir à Dakar en 94. Et ça va être une éclosion de multitudes d'organisations féminines qui se battent maintenant pour les droits des femmes. Et à partir de 2000, les femmes se mobilisent pour la parité. Alors, le contexte de démocratisation des années 90 et la lancée de Beijing va beaucoup aider ces femmes-là. Mais il faut que je dise que l'État, face à l'éclosion des organisations féminines, va tenter de les contrôler. Et c'est comme ça, la première fédération des organisations de femmes, beaucoup d'elles-mêmes ne le savent pas, mais c'est le parti au pouvoir qui va être à la base de cette affaire-là. Le parti au pouvoir essaiera aussi d'organiser les femmes du monde rural à travers les groupements de promotion féminine. Et enfin, dans les années 90, essaiera d'organiser les femmes politiques à travers le Conseil sénégalais des femmes. Alors, mais dans cette mouvance, les femmes, au fur et à mesure, gagnent en maturité. Et c'est ce que j'appelle la révolution silencieuse opérée par les femmes. Le fait qu'elles soient dans les organisations va entraîner une prise de parole. Et cette prise de parole va les amener à pouvoir formuler de manière très claire les questions clés relatives à leur existence. Et surtout, les années 80, il y a les ajustements structurels, il y a les licenciements, les hommes n'ont plus de travail. C'est les femmes qui vont sortir des maisons pour prendre en charge les ménages. Et cela aussi va contribuer à davantage de conscience politique. Le rapport de force entre les hommes et les femmes va commencer à changer. Parce que les femmes vont davantage, de plus en plus, apparaître sur l'espace politique. La maturation du processus va amener à un début de formulation d'une revendication de l'égalité dans l'espace politique. C'est d'abord la rencontre africaine des droits de l'homme qui s'appelle Rado, qui en 99 sort le premier dépliant pour revendiquer la question de la parité. Et à travers ensuite, en 2005, le Conseil sénégalais des femmes bat campagne sur la parité, consolidant la démocratie. Il y aura un sitting à l'Assemblée nationale en 2006. Il y aura une marche vers le palais en 2007 pour essayer d'obtenir cette fameuse loi qui va être obtenue en mars 2007. Mais c'est une loi tronquée parce qu'elle n'accepte la parité que sur la moitié de la liste et pas sur la totalité de la liste. Mais de toute façon, cette loi va être rejetée par la Cour constitutionnelle qui dit qu'elle est inconstitutionnelle. Et l'ancien chef d'État, le président Blaye Watt, va revenir pour modifier la Constitution pour qu'on ne puisse plus rejeter la loi. Et enfin, le 14 mai 2010,
il y a le vote de la loi intégrale sur la parité qui va nous amener à cette courbe. Parce que vous allez voir la lente évolution des femmes, de zéro femme en 1960, une femme en 1963, on évolue en dents de scie pour arriver à 22% en 2010. Et avec la vote de la loi sur la parité, on double la présence des femmes. En 2012, on devient presque 43% à l'Assemblée nationale. Là, je m'arrête simplement pour dire le rôle de l'université et de l'espace de recherche dans la transformation de la société. En fait, une des organisations, parce qu'il y a eu plusieurs organisations, mais une des organisations qui a massivement porté le processus de la parité de 2010 à 2014, c'est le caucus des femmes leaders que le laboratoire genre a mis en place pour mettre ensemble toutes les femmes de tous les partis politiques pour les amener à prendre leurs responsabilités, mais aussi à les aider, à les organiser dans la construction de la pensée, dans les argumentaires. Et c'est ça qui va, à travers toute une campagne dans les 14 régions du Sénégal. De toute façon, il y a un site web sur lequel, malheureusement, il n'est qu'en français. Vous pourrez aller vérifier tout ce processus qui a été fait, de travail avec les journalistes, de conférences de presse, etc., et de forums régionaux qui vont aider largement à cette question-là. Et là, c'est juste des éléments, des images de ces moments de mobilisation. Il y a en bas quelque chose que j'appelle le pagne du serment. C'est un outil extrêmement intéressant. Nous avons amené toutes les femmes à signer sur ce pagne-là pour qu'elles prennent conscience qu'elles doivent être solidaires entre elles et qu'elles arrêtent de se dire des grossièretés entre elles. Parce que les hommes souvent utilisent les femmes d'un parti contre les femmes de l'autre parti. Et en signant ce pagne-là, nous avons évité la violence entre les femmes. Depuis lors, d'ailleurs, les violences sont plus du côté des hommes que du côté des femmes aujourd'hui dans l'espace politique au Sénégal. Alors là, c'est les rencontres à gauche, en haut, c'est quand le groupe est allé voir le chef de l'État, aller voir les leaders des partis politiques et aller voir les leaders religieux aussi. Les imams et les abbés sont venus participer à ce processus. Et ça, je montre des magnifiques tableaux qui sont en fait la concrétisation d'une alliance entre les artistes et ce mouvement-là. Parce que les artistes femmes ont offert, et des hommes aussi, ont offert des tableaux que nous avions vendus aux enchères pour pouvoir financer aussi nos activités. Parce que je pense que les artistes sont les levains aujourd'hui des futures révolutions. Ils sont dans des niveaux de réflexion nouvelles qui peuvent nous permettre de nous projeter autrement. La plupart sont des femmes aussi. Alors, ce mouvement de femmes qui, en fait, comme je vous l'ai dit, a connu une parenthèse avec la colonisation qui a exclu les femmes, mais qui, à partir de 1945, a repris parce que les femmes revenaient à nouveau dans l'espace politique. Ça a amené un certain nombre d'acquis. En 1972, les femmes sénégalaises obtiennent le code de la famille qui a comme principal résultat que les femmes ne peuvent plus être répudiées. Parce qu'avant, dans la coutume, l'homme pouvait se lever et dire « je ne veux plus de ma femme, tu prends tes bagages et tu t'en vas ». Avec le code de la famille, on stabilise les droits des femmes. En 1999, on a les lois contre les violences, sont punies. Même si les violences continuent, les violences sont punies. En 2006, il y a l'équité salariale entre époux. En 2008, ouverture à tous les corps civils et militaires. Et au niveau du droit politique, le droit le plus important, c'est la loi sur la parité. Au niveau économique, il y a des financements accrus des femmes pour renforcer leur autonomie. Mais les défis demeurent énormes. Les lois ne sont pas harmonisées avec les différents engagements de l'État. L'État s'est engagé à travers beaucoup de conventions internationales qu'il ratifie, mais quand on regarde la conformité avec la loi interne, ce n'est pas encore fait. Il y a le problème au niveau de traitement, pas juste du tout par les médias de la femme. Il n'y a pas encore un engagement très fort en termes de budget, parce que le premier engagement, il est d'abord financier. Parce que c'est bien de dire qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme, mais on ne le retrouve pas
dans l'espace budgétaire. L'essentiel de l'argent ne va pas là où il y a le problème des femmes. Il n'y a pas une autonomie du ministère en charge de l'égalité au pouvoir et il n'y a pas une trop bonne implication des hommes. Je montre un peu un certain nombre d'indicateurs pour montrer les inégalités malgré les acquis juridiques. En vert, vous avez la terre. Il n'y a que 13% de ces terres-là qui sont propriétaires des femmes. L'essentiel appartient aux hommes. Vous avez à droite en haut une colonne verte. 89% des femmes dans le monde rural continuent à utiliser le charbon du bois. Donc, ça montre la pénibilité aussi de ce travail. Vous avez en bas à gauche des colonnes en bleu et rouge, des colonnes minces. Une grosse colonne en haut, c'est sur le sida. Le Sénégal a un très faible taux de sida, 0,7%, mais ça dépend des régions. La région du sud où il y a le conflit, donc les deux grosses colonnes, c'est Kolda et Ziguinchor, où il y a le taux de VIH est élevé, mais c'est surtout le VIH des femmes. Et à droite maintenant, en bleu et jaune, c'est les inégalités économiques, la possession du cheptel, c'est-à-dire les bovins, les chevaux, les ânes, c'est surtout les hommes qui les ont. Maintenant, les petits ruminants, les chèvres et les moutons, on a plus ou moins une égalité entre les hommes et les femmes. Alors, le rôle d'une institution de recherche dans l'accompagnement du mouvement social, c'est la production de connaissances et d'outils. Parce qu'on ne peut pas transformer la société si on ne la connaît pas. Donc, souvent, les organisations se mettent en place, mais pour arriver à un changement, il y a une nécessité de connaissances. Il y a une nécessité d'organisation, d'un cadre crédible pour la rencontre de toutes les femmes. Il faut élaborer les stratégies, produire des argumentaires, produire des outils, faire des formations et prendre en charge la communication. Sans ces éléments-là, les organisations n'avancent pas. Et là, je montre un certain nombre de publications réalisées par le laboratoire. À gauche, la femme qui fume, c'est cette reine qui était au Wallo, que les colonisateurs ont vaincue. C'est en 2008 que nous avons fait cette bande dessinée. On en a eu plusieurs bandes dessinées. Mais ces bandes dessinées avaient pour but de transformer les imaginaires des Sénégalais pour leur montrer que dans notre culture, les femmes étaient bel et bien au pouvoir. Parce que dans le discours global, on essaye d'invalider les mouvements des femmes en leur disant qu'ils sont en train de suivre l'Occident. Et ça, en le disant, on les culpabilise. Et ça, c'est une façon de montrer que non, de ramener à la surface la véritable histoire de notre peuple où les femmes avaient des positions importantes. Il y a deux documents sur les genres, sur la parité. Ça, c'est les discussions que nous avons avec les organisations de la société civile. Nous faisons les enregistrements et nous les publions comme des cahiers de laboratoire. Et il y a aussi des rencontres intergénérationnelles. À droite, il y a une étude sur la sécurité. C'était la première étude sur genre et sécurité qui montre la réalité dans l'armée, la police et la gendarmerie. Je reviendrai un peu sur cela. En bas à gauche, vous avez ce qu'on appelle les héritières de la parité, de la loi sur la parité. On a fait une présentation du profil des premières femmes qui ont atteint l'Assemblée nationale après le vote de la loi. Parce qu'on nous disait que ça va être l'Assemblée la plus nulle de l'histoire, parce que c'est des femmes incompétentes qui sont là-bas. Il fallait réagir vite. Et le laboratoire est allé faire le profil de ces femmes-là, et c'était tout à fait faux. Le résultat montre que 37,7% ont entre le bac et le doctorat. Donc, il n'y a que 12% qui ne sont jamais allés à l'école. Donc, c'était absolument faux, mais c'est une façon d'arrêter les rumeurs qui disaient que oui, ces femmes-là ne connaissent rien. Au milieu, avec l'âne, on a les indicateurs en zéro de la parité. Nous avons voulu montrer, quand on a voté la loi, où étaient les femmes et les hommes dans les différents secteurs de l'économie sénégalaise. Et ça nous permet, à partir de ce moment-là, de voir quelle évolution il y a eu. Bon, à droite, c'est le guide méthodologique pour l'enseignement du genre. Ça, nous l'avions fait pour le PNUD. Donc, c'est juste une idée de quelques publications du laboratoire. La réflexion, c'est que les conditions du changement social et l'avenir du mouvement social féminin dépendent de l'autonomie politique des mouvements de femmes. Alors, le problème, c'est que les femmes en politique n'ont pas de base.
Les femmes qui sont dans l'espace politique, elles sont à la remorque des hommes parce qu'elles n'ont pas de base. Parce que les femmes s'organisent généralement en dehors de l'espace politique. Nous avons aussi un autre problème, c'est la convergence des mouvements féminins. Nous avons énormément de mouvements de femmes, mais qui sont morcelés. Il y a un défi aujourd'hui de travailler à leur convergence, c'est ce que nous avions essayé de faire. Nous avons aussi un problème de production d'une pensée politique liée à la lutte des femmes. Il faut que les femmes sachent pourquoi elles se battent et qu'on construise une logique qui va pouvoir les fédérer. Sinon, jusqu'ici, les femmes se battent pour l'homme de leur parti. Donc, il n'y a pas une réflexion pour dire voilà l'intérêt des femmes. Si on le fait, voilà pour les femmes, c'est parce qu'elles sont exclues de la politique, c'est parce qu'elles ont moins accès aux ressources. Voilà pourquoi nous devons nous battre. Mais généralement, on se bat pour le leader de son parti politique. Et quand le leader change de bord, vous changez de bord avec lui. Donc, le mobile de l'engagement des femmes n'est pas lié à une réflexion qui fonde son action. Alors, l'autre élément, c'est qu'il faut articuler la lutte des femmes aux enjeux de développement. Les femmes ne peuvent pas se battre en faisant fi des problèmes de leur communauté. Parce que pour que la communauté vous soyez crédible, il faut que vous soyez en mesure de dire que vous leur êtes utile. Et là, nous prenons l'exemple du Burundi. Le Burundi, les femmes étaient exclues de tout le mouvement de négociation de Arusha jusqu'en 2000. Mais quand elles ont réussi, avec l'embargo, à aller se mobiliser pour dénoncer l'embargo, on les a perçues comme étant des femmes capables de se battre pour l'intérêt de leur communauté. Et finalement, elles ont obtenu gain de cause, même si ce n'est pas lié à une articulation. Quand elles ont été acceptées aux tables de négociation à Arusha, elles ont fini par faire accepter toutes leurs revendications, sauf une à l'époque, la parité. Mais ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que le fait que quand les femmes arrivent à s'impliquer dans des problèmes qui concernent l'ensemble de la communauté, elles renforcent leur crédibilité auprès de cette communauté-là. Et il faut aussi qu'on arrête l'approche fragmentée des problèmes de développement où, aujourd'hui, quand nous travaillons avec les femmes, on vient s'occuper des femmes violentées, demain ces femmes accès à la terre, après-demain c'est des femmes avec la mortalité maternelle. Il y a une difficulté à faire une cohérence de l'ensemble de ces problèmes pour comprendre la cause commune et dire que c'est un problème d'exclusion, c'est un problème de sexisme pour les arriver à avoir une cohérence. Sinon, les forces des femmes sont éparpillées dans différentes mobilisations sans qu'on ne trouve le lien entre tous ces problèmes-là qui ont en fait une même cause, mais on ne fait pas cela. Donc, et c'est là où les ONG internationales, y compris nationales, épuisent la force de mobilisation des femmes sur des actions sectorielles qui finalement ne font pas le lien avec les véritables questions de voir l'articulation entre les questions économiques et les questions politiques. Alors, il faut qu'on change effectivement la situation. Je montre juste des images que nous avons prises dans le cadre de nos travaux de recherche, des femmes qui cherchent, des filles qui cherchent de l'eau, des filles chargées de bois de chauffe, des femmes qui vont vendre des bois de chauffe, avec en bas des filles qui sont dans nos propres programmes à nous de formation à la mécanique, de formation à faire des vitres, etc. pour dire qu'il nous faut changer la situation pour améliorer les conditions des filles et des femmes pour aller vers un monde meilleur. Le fond de la question, je vais maintenant aller vers ma conclusion, c'est qu'on ne peut pas parler de développement sans le lier au projet politique, au projet social vers lequel nous devons aller. Et c'est ça la grande faiblesse aujourd'hui de tous les intervenants qui viennent dans nos pays, parce que c'est le morcellement de l'action. Et en même temps, il y a un déficit de réflexion, de production de pensée, parce que l'université est très distante en général, globalement, même si aujourd'hui il y a des efforts dans différentes universités par des chercheurs ou des enseignantes qui sont à la fois des militantes qui essayent de faire la jonction entre les deux espaces. Parce que fondamentalement, on ne pourra jamais changer cette réalité
si nous ne mettons pas la réflexion, les femmes se sont battues depuis le début des indépendances, les femmes se battent. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu ce travail de réflexion, ce travail d'élaboration de stratégie, ce travail pour amener une cohérence entre la pensée et l'action, qu'on a perdu du temps. Et sans être trop prétentieuse, nous pensons que l'implication du laboratoire à partir de 2010 dans le champ du mouvement en termes d'organisation de ces femmes, en termes d'accompagnement à la fois de travail des argumentaires, a aidé. Et je terminerai par cela, parce que pourquoi les argumentaires? Parce que quand on a commencé à parler de la parité, ceux qui sont contre la parité nous rejetaient vers le mimétisme et la subordination à la France, aux États-Unis, etc. Le fait de sortir des bandes dessinées, le fait de sortir, de rappeler l'histoire, a permis de relativiser tout cela. Le fait de travailler avec les médias, de produire des documents, de produire des indicateurs pour dire voilà les évidences, a permis un peu de rationaliser le débat et que les gens ne restent pas dans l'émotionnel. Mais en même temps, le fait, par les travaux de recherche, de montrer la relation entre la production, la non-production économique des femmes, la non-productivité, parce que les femmes produisent, travaillent beaucoup, mais produisent très peu, parce qu'elles n'ont pas les moyens économiques, elles n'ont pas les facteurs de production, et cela, c'est un manque à gagner dans la croissance économique de notre pays. Donc, il y a tout un travail de réflexion scientifique et théorique qu'il faut faire au service de l'action collective pour l'aider dans sa démarche de convaincre les différents acteurs, parce que c'est une bataille d'opinion. Et dans cette bataille d'opinion, le travail d'argumentaire et le travail de scientifique a une place extrêmement importante. Maintenant, oui, le mouvement social sénégalais féminin et féministe a connu un bond qualitatif qui est avec la loi sur la parité. Il y a eu des tentatives par l'État, par les hommes politiques, de remettre en question cette loi sur la parité. Je reviendrai là-dessus dans les discussions, mais ils ont été stoppés net. Une fois de plus, pourquoi? Parce que nous avons sorti un spot qu'on a mis dans le YouTube qui démontrait que tous ces leaders politiques s'étaient engagés pour la parité. Parce que les images que je vous ai montrées antérieurement, on est allé voir tous les grands leaders politiques pour discuter avec eux. Et ce jour-là, ils ont pris des engagements, mais nous les avions filmés. Et quand il y a eu une tentative de se dédire, nous avons simplement mis les films. Et nous avons payé des pages à la télévision, dans les télévisions privées. Et tous les soirs, on montrait aux Sénégalais que ces différents leaders politiques, l'actuel président, le président de l'Assemblée nationale, les différents chefs avaient accepté